Alors bienvenue, re-bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, Sephora va manger. Gombo, s'il te plaît, il y a des pieuvres dedans, ça fait trop longtemps que je demande ça. Alors oui, j'ai fait un gombo avec du crabe de mangrove, des crevettes tigres noires et des bébés poulpes. Bon appétit, on vous aime tous très fort. Alors je vais parler avec ma maman. Goûte d'abord le tout mélangé. Déjà la sauce, le riz. Prends bien de la sauce là, c'est sec là. Voilà, c'est bien gluant, il y a le gombo là qui dégouline comme vous voyez. Vas-y. Ça t'arrache la bouche, ça pique? C'est trop bon mais ça pique. Ah, c'est moins pique. Alors, aujourd'hui, Sephora, comment ça va? Il a fait beau, t'as fait kayak aujourd'hui? Ah, c'était bien? Il y avait la pluie ou pas? À 3, non. C'était bien? Nice. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ouais, je t'ai fou, toi. Qu'est-ce que tu vas faire de beau aujourd'hui? Soit, ré, pija. Ma, ché. Wassi. Là, avec qui? Avec Aven, Wassila et M. Et Marissa? Ils ont déjà vu Marissa. Oh, c'est vrai. Oh, oui. Alors, tu penses qu'il y aura quoi au programme? Je sais pas. Tu sais pas? Mais en tout cas, moi, je sais que je vais ramener mon maquillage, ma skincare et mes vernis. Ah, pour faire et tout? Ah. Ok. Mais donc, Gavin, je vois qu'elle a trop aimé ce que j'avais au doigt. Ouais. Faut que je me coupe des antibiotiques. Et du coup, ben là, je vais ramener mes vernis comme ça, je lui fais si elle veut. Ok. Parce que j'avais fait une espèce de French. Ah, une fausse French. Raté un peu. Ouais, mais t'as tout arraché et tout laissé par terre. Mais raté, c'est la première fois que t'avais fait. C'était bien pour une première fois, moi, je trouve. Alors là, c'est fois à un bébé poulpe. Là, c'est un bébé pieuvre. Est-ce que c'est bien tendre? Nice. Voilà. Depuis le temps qu'elle me demande à avoir des poulpes. Ça y est, elle est contente. Quand elle m'a vu acheter ça, elle était hyper méga contente. Je vais goûter une tête. Là, là, le petit bout violet que vous voyez, c'est la tête de la pieuvre. Je les ai coupés pour les séparer. Ça a le même goût que le corps. Hein. Je sais, mais je suis trop contente. Alors, ça m'émeut. Ça t'émeut, ta tronche là. Alors. Comme d'hab. Comme d'hab. Alors, toi. Ok. Alors, mademoiselle. Comment tu fais ce gombo là? Bah, comme d'habitude. À chaque fois que je te dis, si tu veux regarder pour savoir faire plus tard, viens regarder pendant que je fais. Bon, là, tu pouvais pas regarder parce que tu étais à l'école, oui. Mais les autres fois, quand tu me vois faire, tu es juste assis. Ah, ça sent bon, c'est bientôt prêt. Mais moi, j'ai faim. Mais si tu regardes, tu sauras faire toute seule après. Donc, même s'il y a les ingrédients là et que j'ai la flemme de faire, tu peux faire et tout bouffer toi-même. Oui, je vous allez, quand même. Moi, j'attends que tu manges une crevette tigre depuis là. Depuis là, je t'attends. Je ne veux pas. Elle est comme ça. Merci de l'avoir décortiqué. Parce que j'ai tout le temps la flemme de faire. J'ai pas décortiqué, j'ai juste ouvert pour enlever les cacas. Ah, mais ça me l'a fait décortiquer plus vite. Mais toi, tu jettes la coquille comme ça alors qu'il y a bien du jus dedans. Moi, j'aime trop prendre ça. Oui? Waouh! Hein? Oui. Bah, pourquoi tu as décortiqué alors si tu laisses la queue? Alors toi? Bon moi. Ah, avant j'ai détesté ça. De quoi? La crevette tigre. Mais je sais même pas pourquoi. Les bonnes choses tu détestais. Avec ta tête là comme le gros. Alors. Quand tu manges juste la crevette tout seul, tu sens bien comment la chair elle est bien. Elle est bien molle. J'aime trop. C'est bon hein, le pieuvre. Hein. Là j'en ai pris des petits, la prochaine fois je prendrai des grandes tentacules. Aaron qui dit j'aime pas. Il dit qu'il aime pas parce que dans les trucs qu'il regarde dans les dessins animés, la pieuvre elle est tout le temps méchante. Et du coup il aime pas parce qu'elle est méchante.
C'est ça qu'il a dit. J'aime pas la pieuvre, elle est méchante. Ouais. Elle est pas morte. Ah bah si, on l'a fait cuire. Sinon, si elle était vivante, elle serait en train de bouger. Oui. Là, tu l'as mangé comme ça direct dans ton gosier là. Imagine ses parents là-bas en train de le chercher partout. Mon bébé. Le pauvre. Il est délit. Mais bien fait pour moi. Bien fait pour, bien fait pour toi. Ouais. Alors, mademoiselle. Est-ce que tu vas être tranquille à la soirée pyjama? Mais avant d'aller à la soirée pyjama, là, il faut que tu fasses tes devoirs. Hein. Ah meuf, je t'avais dit, hein, je te l'ai dit. Je t'ai dit, si tu vas aller à la soirée pyjama, tu dois faire tes devoirs. Parce que les filles, elles sont à l'étude. Elles vont faire études d'abord. Marissa et Wassila, elles vont faire études. Mais pas Aven. Aven, non, mais je pense qu'elle va faire ses devoirs. Elle a une dame qui l'aide à faire ses devoirs. Elle a un tuteur. Ben voilà. Et elle nous a proposé, elle m'a proposé si je voulais l'accompagner à l'orthophoniste. Hein? Ce soir. Hein? Elle, c'est le soir après l'école? Ça va, c'est bien. De base, c'est dans l'école. Ouais. Mais je sais pas ce qui s'est passé là. D'habitude, ouais. C'est dans l'école qu'elle fait l'orthophoniste? Non, ah, pendant... elle part de l'école. Elle part de l'école pour aller. Ah, peut-être que l'orthophoniste, elle avait d'autres choses, ou bien la mère, elle a averti que après l'école, c'est pas possible. Souvent, c'est ça. Quand tu dis à l'orthophoniste, par exemple, là, demain ou après-demain, c'est pas possible, j'ai un rendez-vous. Elle dit, ok, on décale. Oh, il y a du bonjour dans la comète. Hein. Ben, je te l'ai dit. Suce bien le truc. T'inquiète pas, j'ai pas fini, mais je prends des petits bouts par petits bouts. Petits bouts par petits bouts. Bah oui, c'est du petit œuf. Là, tu prends la tête et le corps de la crevette. Et un peu de riz de la sauce. C'est bon, hein. T'inquiète pas, la pieuvre est bien nettoyée. C'est pas moi qui nettoie, moi j'ai juste rincé et vérifié que les tentacules étaient propres. Y'a plus de cerveau? Y'a plus de cerveau, y'a rien dedans. J'ai peur. Ouais, tu vois pas que les têtes elles sont vertes? Bah pourquoi y'a plus d'yeux? Bah parce que c'est comme ça. Ça se mange pas les yeux? Bah non. Ah bon? Bah non. Et t'as pas vu, normalement dans les pieuvres y'a un petit truc pointu pour le bec en bas là où y'a les, les tentacules. Bah là y'en a pas. En même temps, parce que quoi c'est la bouche? Regardez dedans. C'est la main qui te trompe, je suis désolée. Ouais. Alors mademoiselle, c'est bon hein? Ah tu kiffes hein? Aujourd'hui je sais pas, genre là j'ai trop de bonne humeur. Ah ouais? En plus en classe, je m'ennuyais parce que j'avais quand envie d'aller faire la soirée pyjama. Mais parce que tu savais qu'il y avait soirée pyjama, si tu savais pas que tu aurais été, ouais normal, il fait beau. Est-ce que tu t'es mise en t-shirt à un moment? Je savais. La gola tout le temps. Quand tu vas tomber malade, faut pas pleurer. Hein. Et au kayak, j'avais même pas mis mon pull. Non, pas quand que je nageais, mais après le kayak. Je mettais pas mon pull. Mmh. Alors, mademoiselle. Eh si. 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 Mmh. Là, tu te régales. En mode je suis trop bien et tu sais, tout ça c'est pas calorique, c'est pas très calorique hein. Oh, ah bon. Mm-hmm. Les crevettes c'est pas très calorique, c'est quoi, c'est peut-être entre 3 et 6 en fonction de la taille de la crevette, entre 3 et 6 calories par crevette, donc c'est pas beaucoup. Le crabe n'en parlons pas, c'est pas très calorique. Ah bah du tout même. Et en vrai les produits de la mer c'est pas très très hein. À part genre le saumon c'est gras, c'est, mais sinon ouais c'est du bon gras, c'est bien. Mais c'est bon. Ah c'est gros, c'est bien. Ta tête là. Je sais que t'aimes pas ça, du coup je te dis ça. De quoi? Que t'aimes pas le poisson cru. Ouais, mais quand c'est le saumon cuit, moi j'aime bien moi. Je te montre. Le saumon quand je le fais juste revenir des deux côtés là. Tu fais avec le poisson cru. Ta tête. Oh, ton tête là. Ça y est? Tu veux manger le reste hors vidéo? Je mange mon crabe devant la vidéo. Bah mange ton crabe. Attends, je mange encore un peu. Parce que c'est trop bon. Comment un truc comme ça là qui est bien moche, bien, bien nul, est bon comme ça? Attends. Il est bien tendre, hein, t'as vu? Voilà comment c'est. Il est bien tendre, je l'ai bien fait cuire. Les gens qui me disent à l'école. Quand tu vas manger le poulpe, j'aime bien.
J'aime bien. C'est bon. Vas-y, croque. Passe à mon gros bébé. J'aime ça. Tout ça, c'est que de la chair. Yes, yes. Nip, nip. Yes. Ah, ça y est, tu sais comment bien manger le crabe maintenant? J'encrasse la coquille. C'est bien, tu manges bien. C'est bien. Pourquoi tu manges ça? Non, parce qu'avant tu gaspillais, ça m'énervait. Maman, je peux prendre le crabe? Ah, tu vas gaspiller mon crabe là. Il t'a dit qu'il est mort juste pour être joué, taquiné, puis jeté. Avant, tu le mangeais trop mal. C'est pour ça que je voulais pas te laisser manger le crabe de mangrove. Je disais, mange les crevettes. Mange les autres trucs. Voilà, c'est bien. Il a mangé la dégouline. Mm-hmm. Je dois c'est succulent. Un petit point là, comme ça. Un peu là. Non, je suis trop jolie, c'est pas normal. Ayez la référence, ayez la référence. La ref est sur TikTok. Pas sur TikTok, ça a commencé sur YouTube. Grave. Sur YouTube. Retrouve-nous sur YouTube. Oui, mon moine. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, ma lady, mon moine? Mm-hmm. Je suis pas bien coupé. Qui? Moi, je suis pas bien coupé. Il n'y a rien qui est parti de ma bouche. Nice. Bon, j'ai plus faim, je vais manger hors vidéo. T'as plus faim ou tu vas manger hors vidéo? Je vais manger hors vidéo. Ok, donc so guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. On vous aime tous très fort. Bye.